gars, direction l'Espagne. Salut les vlogs, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va faire Ornella, TL, elle est à l'aise devant la caméra. BIM Agency. Mais tu peux me laisser me présenter en fait. Bah, c'est sûr, on te laisse. Voilà, je suis TM chez BIM Agency, you know. Et voilà, on m'a drag de force en vacances. De force. Parce que je mérite des vacances depuis tout le temps que je travaille. Ok. Et voilà, let's go. Ok, let's go. Putain, c'est son vlog. Bah écoute, let's go. Ensuite, on a le deuxième candidat, monsieur Adil. Les gars, on est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour. Cette fois-ci, Espagne. Ok. Putain de merde. Merci, monsieur Adil. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout. Bah écoute, avec voilà. Plaisir. Les caméras. C'est le boulot. Je suis là que pour ça, en tout fait. Tout le temps, les caméras. Mais je filme pas, là. C'est quoi, la caméra? Et Claire, viens me présenter, là. Ok. Viens présenter le vlog. Caméra de vlog, j'aime bien. Bim. On va tous changer aujourd'hui. Ma qualité, elle est mieux. Hein. Non. Oh, mais ça cause. Wesh. Wesh. Tout ça. 1, 2, 3 sandwich, 4 sandwich, 5 sandwich. Tout ça pour un être humain, wesh. Elle nous a jamais vu. Elle nous a rien proposé. On est parti depuis 5 minutes, on est déjà en pause. Ça fait 10 minutes, j'en peux déjà plus. On peut s'arrêter, on peut aller faire pipi, on toujours, peut toujours, toujours les mêmes. Et ça fait 10 minutes, elle se plaigne. On peut rien faire en fait. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou quand même. Mais moi j'ai ouvert ma bouche depuis le début du vote. Ouais, tu peux arrêtez-vous, mon père, il est inquiet. Attends, tu sais, je voulais pas faire de problème, tu vois, je voulais pas qu'on s'embrouille déjà parce que ça fait peu de temps qu'on se connaît. Mais t'as vu, ça fait 10 minutes, tu fais que te plaindre, je comprends pas. T'as vu combien j'en ai payé là? Combien? 15 balles. 11,39€. Wesh! Bah c'est 5 balles par jour. Je mets 9 balles moi pour tout ça. C'est bien les gars. Regardez là les gars, regardez. Oh, elle est muerto. Attends, je... Bonjour Claire. On a fait une nuit blanche. Ça fait maintenant 8 heures qu'on roule. Adil prend le relais. Comment tu te sens Adil? Pas trop fatigué? Ça va, ouais, ça va. Tu tiens le coup? Il faut, on n'a pas le choix. Nickel. Merci monsieur. Gamberge un peu. Merci. Comment ça va Claire? J'ai vu tu ronflais là. Tu ronfles beaucoup, tu sais. C'est ça, ouais. Non, c'est vrai, ouais. Et là, vous avez Ornella qui a dormi vraiment toute la nuit. Elle a zéro énergie, mais c'est honteux en fait. Je pensais que c'était vraiment voilà, une personne qui était énergétique, pas du tout. Alors Claire, tu nous expliques pourquoi on va à Barcelone dès le premier jour en fait, s'il te plaît? Parce que madame fait un caprice. On fait une escale. Elle veut aller à Barcelone dès le premier jour. Elle veut absolument aller à Barcelone pour son premier jour de vacances. On est où là? Mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible, c'est caprice de fille là, j'en peux plus là. Est-ce que je pourrais avoir? Comment on dit ça? Puedo haber. Ok, puedo haber, ok. Ça va parler que espagnol aujourd'hui. Donc là directement on vient d'arriver, on va faire un petit stop à Barcelone parce qu'on est fatigué. Bonjour Adil, hey, le nouveau Las Fitz. Non quoi, je suis KO. Adil en mode charron là? Non, Adil en mode réveil. Qu'est-ce que t'as à l'envers, chemise comme ça là? C'est forcément pour aller accoster. On connaît Adil Prime. Comment est-ce que t'as? Mou bien? Muy bien. Mou bien, ok. Vamos où là? Vamos Starbucks. Quoi? Ouais, Starbucks petit déjeuner. Ok, let's go. Bah écoutez, vamos à suivre. Vamos à y follow. Vamos en Espagne. On est déjà en Espagne. Oui, bah Barcelone. Ah, tu voulais couper. Hein, tu... Qu'est-ce qu'on fout là, putain? Putain, mais là on est en Espagne en fait, on est leur chauffeur en fait. Par pitié, Claire, t'as pas déjà fait les courses? Ça, c'est pour toi ça. T'as pas déjà fait les courses? C'est pour toi ça. Qu'est-ce qu'elle fait de la gueule? On se casse ici. Alors Claire, ça achète ou pas?
Qui Versace? C'est bizarre. Regardez là, il bosse là, il prend la photo, on peut même pas manger. C'est quand même une dinguerie. Hein. Et nous, on est là, on attend. Tout pour les caméras. Alors qu'en vrai, les gens, ils s'en foutent de voir des photos de bouffe. Mais oui. Qui s'intéresse? Il y a des comptes Insta pour ça en fait. Bah oui. Il y a des comptes Insta spécial food, etc. Mais non. Madame veut participer. C'est ça. Regardez, elle est contente. Voilà. Tu n'es qu'une influenceuse. Là, elle est heureuse. She's happy. Tout à l'heure, elle a aligné les trucs parce que c'était pas aligné là. Allez, à ce niveau-là, c'est incroyable. Oh là 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 là. Le respect. Jolie, lui, m'a douci. Non, ça que tu fais. Bon, tu peux y aller, Claire. C'est dans ça que tu fais. Voilà. Merci, écoute, j'ai adoré cette expérience. Ouais, là c'est mieux, Claire. Ouais, là tu parles. Titre, titre. C'est quoi ça? C'est très grave, on va pas dans ça. Ouais. Impression. Regardez. Ah ouais. Vous voyez comment on vous met bien, hein, non, les mais les gars, on vient d'arriver dans le quartier. Dingue. Ahri. Salam alaikoum. C'est dingue. Comment ça va, les gars? Il fait beau aujourd'hui. Ah bah. Regarde mes cernes, regarde mes cernes. Ça, c'est les cernes d'un homme capable, ça. 13 heures de route. D'accord. Bon, je sais pas si on va faire ça. Ok. Ok. Donc, je remets mes lunettes. Lui, il veut se reposer. Les filles. Quand vous voulez quelque chose dans la vie, il faut le faire à fond. Et aujourd'hui, grâce à Dieu et à nos investissements, on a réussi à en arriver là. Je vous présente ma maison. Ça doit être là. Ouais. Non, en vrai, vous deux, vous avez une belle chambre. Par pitié, viens, venez. Attends, fermez les yeux, fermez les yeux. Franchement, j'ai vraiment une chambre, c'est une chose. Attends, ferme bien les yeux, ferme bien les yeux. Vraiment, fermez les yeux. Venez. Attention. La chambre, attention, super, let's go! Let's go! La chambre est incroyable! Tu pourras faire des meilleures parties de colle! Chaise gaming! Ouais, c'est super ça! Voilà, on vous laisse regarder notre chambre. Voilà, donc là, un petit Mac pour montage, un petit Mac. Voilà, chambre de Claire, on est là. Oh, le balcon il est incroyable par contre, regarde la vue. C'est vrai. Ouais, j'ai des buildings et tout à Benidorm. C'est archi beau. Là, on peut sauter de la piscine là, vous pensez? Pour combien? Mais de ouf. Putain, mais Benidorm, c'était pas comme ça avant. Non, c'est une dinguerie. Elle nous a pas dit qu'on allait venir de la piscine, ça se trouve. Bah, enfin apprendre à nager. Let's go. Mais Belantois, c'est un contre. Let's go. Sachez que de base, en plus, elle mange pas de porc et elle nous prépare du porc. C'est un sacrifice de fou pour elle, quand même. Vraiment. Merci, madame. Merci. Pff, comment ça va déguster cette mathématique? Bah franchement, hey, tu peux dire que je t'ai aidé quand même. Je l'ai aidé. Sachez que Adil, il s'en bat les couilles, il est parti ouais, se laver. Il a aidé à faire quoi? Rien du tout. Allez, on refait. Non, non, Adil, il t'a pas aidé. Il est parti se laver. Mais il a aidé à faire quoi? J'attends que tu montes ma valise. Je l'ai monté ta valise. Ah bon? Ouais, je suis gentil, moi. Personne l'a aidé, voilà, ils sont là, ils pensent qu'à nager. Moi, j'ai aidé, j'ai fait les courses. Voilà, ça pense qu'à nager cours, ici. J'ai choisi le menu. Nager, manger, voilà, tout ce qu'ils savent faire. Voilà, montre-leur. Je mets un peu de tomate dedans. Vas-y, let's go. Miskin, regardez ce qu'elle a eu, les gars. Arrête. D'accord. Wesh, ça te chiffre. Bonjour Adil. Bonjour. Comment ça va? Ça va super, et vous? Jour 2 en Espagne. Jour pas trop fatigué? Un peu quand même, mais on a bien dormi. T'as bien récupéré? Ouais, on a bien récupéré. Par contre, à ce qui paraît, t'as ronflé cette nuit, mon ref. Je peux pas dire non parce que t'as des preuves. Donc voilà quoi, je vais. Les gars, dire oui. J'ai dormi à côté d'Adil, putain, ce ronfleur. T'as bien dormi en vrai, non? Ce camionneur. Ouais, ça va, allez. Bonjour, comment ça va? Le je suis en train de faire une pizza. J'ai pas pris le temps de me poser et de vous parler, vous dire ce qu'on fait ici, pourquoi on a choisi cette maison-là, avec qui je suis exactement, puisque vous voyez des gens, mais vous les connaissez sûrement pas. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis les Ardentes, je me suis rendu compte que j'avais pas eu assez de vacances, donc du coup, il fallait partir en vacances. Donc, Claire que vous voyez juste là, donc c'est une talent manager dans l'agence avec laquelle je travaille actuellement. Il m'a proposé, voilà, pourquoi ne pas partir tout simplement au Maroc.
Donc on s'est dit, let's go, on va aller au Maroc. Après, ils ont été un peu bipolaires. Nous voilà en Espagne, bon, c'est à peu près la même chose, à peu près le même décor. Piscine, soleil, plage, villa, plein de monde, tout ça, etc. Regardez le bordel, c'est ça qu'on voulait, c'est ça les vacances. Et du coup, voilà, on y est, regardez. Piscine, le calme, le soleil, le sunshine. On voulait sortir de Paris, surtout qu'en cette période, il pleut. Il fait pas beau à Paris. C'est vraiment le bon moment pour se barrer en fait. Le pire, c'est qu'au moment de venir, il pleuvait, mais comme jamais. C'est vrai que je filme pas H24 tout ce qu'on fait et tout, mais je vous filmerai vraiment un maximum de choses. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, on veut manger. De la bouffe. Je veux de la bouffe, je veux des chicas. Non, je rigole. Les gars, je veux de la bouffe, j'ai envie de manger. J'ai envie de manger un bon truc. Donc du coup, comme d'habitude, je suis le premier à être prêt. Les gars, regardez mon outfit. Petit pantalon classe, chemise, sacoche. Les gars, les Air Force. Les Air Force, toutes neuves. Donc du coup, on attend les autres, hein, tout simplement. Il n'y a personne qui est prêt, là, avec moi qui suis prêt. Sachez que là, il est 19h30, là. Il est 19h30, à 20h, je démarre ma voiture et je me casse. Ok, aujourd'hui, on sort. Regardez son outfit. Tu nous présentes, s'il te plaît. Outfit plutôt simple, robe Bershka. Sac de clair, petit bijou doré avec le bronzage. C'est le plus bel accessoire, le bronzage. Là, t'as ton prime là. Cheveux plaqués. Non, pas mon prime encore. Et l'accessoire, le G7X. La caméra. Parce que tu ne vis que pour les. Non, si. Tout le temps, filme, ça y est. Ton outfit, s'il te plaît. Écoute, outfit, on a décidé de mettre les gros moyens. Ok. D'accord. On a investi. Aujourd'hui, c'est Adil Mèche Blonde, les gars. On a respecté le public et on s'est respecté soi-même. Ok, très important. Donc, outfit full bow woman, d'accord. Avec quelques petits accessoires qui viennent du Sénégal. Ok. Et un bob champion. Parce que t'es un champion. Parce que je suis un champion, okay. Bordel de merde. Let's go. Et toi, ton outfit, Elena? Moi, j'ai un petit débardeur. Ok. Et un petit pantalon noir. Et là, simple quoi, sobre. Une nouvelle paire. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette sacoche? Alors, sacoche. La signification. Wow. Alors, je l'ai depuis 5 ans. C'est ma sacoche préférée. Ouais. Et un petit porte-clés de la femme. Magnifique. D'Amsterdam. Claire, ton outfit, s'il te plaît. On est tous dans le thème, sauf Oh, on est uniforme là. Ouais, la photo de Bershka. Mais let's go. Du coup, on va déguster à côté de la plage. Ça va bien se passer. Du coup, Ornella qui a choisi de changer d'endroit, de prendre des risques. Donc là, si c'est éclaté, tu vas voir. Voilà. L'outfit bizarre. Il est pas dans notre thème en fait, il nique tout. Mais bon. Toi tu vas manger dans la voiture. En plein centre-ville, Adil comme d'habitude en train de gérer des meufs en message. Alors Claire, première fois du coup à Benidorm, qu'est-ce que tu penses de cette ville? Bah pour l'instant pas grand chose. Non mais c'est beau genre. Bah sympa. T'es aigrie toi, j'ai remarqué. Non, hein. Les gars, elle est aigrie de ouf. Je dirais pas pourquoi, mais c'est franchement, bien. Elle pète des câbles des fois. C'est dur à supporter. Non, c'est pas vrai. Très dur à supporter, mais je rigole. Vrai. Mais tranquille, vas-y. Non. On m'a dit en plus, t'allais m'offrir un cadeau, wesh, là-bas, là. À toi. Ouais. Cadeau. Comme t'es pas venu à mon anniversaire. Regardez, voilà. Parce que elle les cache celle-là, donc je commence par elle. Regardez, téléphone. Je viens de ranger mes téléphones. C'est quand même une dinguerie. Mais bien sûr, bah oui. Bonjour Ornella. Hey, bonjour les deux vlogs. Salut. Comment alors, jour 3, comment tu te sens? Franchement, moi ça va. Il y a juste un vieux monsieur qui est venu me réveiller à midi. Bien fait. C'est géré d'arrêter de. Ouais, on est en vacances. Bah ouais, en vacances. Non, mais on est en vacances. C'est au courant des horaires que non. Je fais le reste. Le repos, c'est chez toi à Paris. Mais pas du tout. Ok. Mais pas du tout. N'est pas toujours en vacances, madame. Attends. Merci de sortir de ma chambre. Bonjour Adil. Elle est bien votre casquette, vous l'avez trouvée où? Je l'ai acheté très espèce d'enfoiré. Dans un magasin qui s'appelle Six June, d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ma casquette depuis. Ça doit être ça, mon ref. Bah, oui. Ok. T-shirt off-white. Et tu vis, hein? Et les gars, Adil, hier, il est pas rentré tout seul. Coupé. Regardez comment elle s'aime pour faire les courses. Je suis choqué. Ouais. Les gars, hier, Claire nous a amené dans. Non, dis pas ça, c'est privado. Non, mais on a fait des stories. Donc c'est non. Comme le R. On a fait des stories. On ce a fait des stories. Si vous avez vu mes stories, on était dans une chicha boîte. Et voilà. Ça va, Adil, il a primé. Il a primé. Claire aussi, elle a primé. Chance, Claire. Les gars, Claire, elle a fait n'importe quoi. Elle a mis du jus dans la. Vous savez, les petites poches de voiture, là. C'est très grave. Dans le trou de la porte. Imaginez, les gars, c'est pas votre voiture.
Imaginez, vous montez imaginez dans une voiture. Vous payez une voiture à ce prix-là. Vous montez dans une voiture et vous laissez votre jus ouvert dans le petit bac à droite de la portière. C'est dingue. Alors, Adi, qu'est-ce que tu penses de tes vacances depuis que t'es là? Tu passes un bon moment, un bon séjour? Ouais, pour l'instant. Okay. Et toi, on a vu hier en fait ce qui s'est passé. Je vous montre peut-être très extrait de ce qui s'est passé. Voilà. Alors, qui était cette personne à qui tu parlais? Qu'on a vu aussi dans ma story. C'est une personne que t'as reconnue, non? En fait, viens, on leur dit la vérité. Les gars, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait en fait aller en boîte. Et tout le groupe, tout le groupe, ouais. Ok. Et ce qui s'est passé exactement, c'est que la meuf venue me parler parce qu'elle me disait tu vas aller en boîte, etc. En fait, je demandais juste des renseignements. Ok. Donc là, c'était que des renseignements. Le fait de demander sur Insta, c'est vraiment pour se renseigner par rapport à la boîte. Exactement, quoi. En fait. Son numéro de téléphone. Non, mais en fait, elle m'a expliqué qu'elle connaissait bien la ville. Ouais. Et elle s'est proposée de te faire bizarrement, elle était à moitié française. T'as des serviettes devant ou pas? Non. Putain, que c'est fou. Et elle m'a dit, pas de problème, si tu veux, je te fais le tour de la ville, etc. Mais non. Je lui dis, mais en fait, je viens d'arriver, donc bien sûr que je veux découvrir Benidorm. Ouais, et du coup, après, elle m'a dit, je te fais le tour de la ville quand tu veux, etc. Je lui dis avec mais du coup, ça te dérange pas qu'on vienne avec toi, alors? Si. Pourquoi? Mais pourquoi, en fait? Je comprends pas. Moi aussi, je veux visiter Benidorm, c'est la première fois que je viens. Bon, en fait, t'as trouvé une guide, donc... Tu sais ce qui est bien? C'est qu'il y a deux voitures. Donc, vous allez dans votre voiture. Bah on est dans notre voiture. Mais elle est où la tienne? C'est le taxi qui arrive. Viens Claire, t'inquiète. Moi je trouve que ma partie de la voiture est assez cool. Oula, alors toi? Oula, j'ai ouvert là, j'ai pris des bouteilles par terre, c'est n'importe quoi. Bah, des bouteilles d'eau remplies. Mais hier j'ai nettoyé d'eau. J'ai pris 20 minutes à nettoyer ton côté. Je sais pas ce que t'as fait là, tu t'es pris de ta chambre ou quoi? La banquette arrière est saccagée. Elle était saccagée, oh là là. Vas-y. Un désastre. De base, la voiture a été propre. Il l'a lavé avant qu'on parte, etc. pour que ce soit vraiment propre. On s'est garé à Benidorm. C'est un foutoir. C'était vraiment le bordel. Alors, parlez-nous un peu de vous. Vous connaissez depuis combien de temps? Comment c'est. Claire et moi? Ouais. Depuis qu'on travaille ensemble. Bah, ça me répond pas à la question. Fais un effort quand même de comprendre. Claire, quand est-ce que t'as commencé ton travail? Elles sont TM et chef de projet. Elles s'occupent de toute la partie. Que vous voyez pas sur les réseaux sociaux. Et ok. Puis... Et du coup, par rapport au backstage que vous avez vu sur les réseaux, c'est la sauce. Qui est l'influenceur que vous détestez le plus? Franchement, non, est-ce que ça vous est arrivé de travailler avec un influenceur et genre vous êtes trompé sur lui? Genre vous pensez vraiment que derrière internet c'était une bonne personne, etc. Et dans la vraie vie, vous dites putain, mais quel fils de. Yeah, c'est bon, on s'en filtre, arrête de faire genre là. De ouf. Non, mais j'y réfléchis parce qu'il n'y a pas des personnes en mode genre fils de pute. Je dis trop de détails en fait, les personnes. Let's go, on est arrivé. Yes, la famille. On se retrouve après les courses. On se retrouve après les courses, même pas pendant les courses. Ah ouais, pendant hein. Let's go. Let's go. Sur la chaîne. C'est rayon ça. Oh my god. Tu vois, elle fait exprès. Oh my god. Regardez où elle emmène Adil. Franchement, ça se fait. Mais je la suis bien en fait. Tu crois ça? Moi, j'adore ça. Mais je vais manger. Franchement, moi, j'aurais pris du fromage quand même. Parce que tu connais Adil. Ah ouais, tu consommes toi, hein? Putain. Qu'est-ce que t'as ramené? Ouais, ça coupe belle. Ouais, la lessive. Ouais. Ouais, les produits. Il y en a beaucoup, hein, je vais en prendre pour chez moi après. Let's go. Les gars, on est à la plage. Ça va très bien se passer. Attends, mais on est parti quand? Lundi ou mardi? On est parti lundi matin. Ah, on est chez toi. Quatrième jour déjà, ouais. En fait, avec elle, on souffre et demande des photos à tous les plans. Ouais, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est quoi le planning de ce soir? Je dis pas. Entrez. Franchement, je sais pas pourquoi elle a des plannings comme ça, celle-là, ça fait peur. C'est quoi le planning ce soir, Ali? Alors ce soir, on va manger des patates fritas. C'est le A. Le A. C'est faux. Ce soir, on va manger à Amazonas. Amazonas, en fait, c'est un truc. Entrez. Et toi, c'est Carlos. Carlito. Bonjour monsieur Adil, comment ça va? Bonjour les gars, comment ça va? Vous êtes rentré tard hier soir, on se demande où vous étiez? Bah j'étais avec toi en fait, tout simplement. Ok. Tu veux qu'on dise où on était? Bah let's go, allez, dis-nous tout. On était en boîte. Il y a des gens ici, ils sont pas rentrés tout seuls. Je vois pas qui tu parles. Coupé. On se crée. Bonjour le programme.
Ouais, plage. Donc, programme aujourd'hui, on va à la plage. On va essayer de profiter de la ville de Alicante. Ok. Et j'espère que toi, tu vas kiffer aussi. Exactement. Parce que c'est la première fois. Exactement. Ouais. Il y en a ici, ils veulent pas venir. Elena, pourquoi? Alors en fait, ok. Alors en fait, il faut savoir que hier il s'est passé beaucoup de choses. Et que on dirait Bouddha. Tu peux faire un plan et moi. En fait, il faut savoir qu'hier il s'est passé beaucoup de choses et là elle est un peu en dépression, on peut dire, car elle a subi. Ça a crié aujourd'hui, hier soir. Ça a crié, elle a subi quelques événements assez dramatiques et du coup, c'est pour ça qu'elle est assez perplexe aujourd'hui. Elle a besoin de se ressourcer et du coup, malheureusement, elle ne viendra pas avec nous. Ok. Elle ne viendra pas. D'accord, Elena, bah écoute. On peut lui demander directement. Alors, on va s'approcher de l'animal, d'accord? Faut prendre ses précautions quand on s'approche de cet animal qui est en ce moment. Qui peut crier à tout moment, quoi. C'est ça, qui est en totale perdition. Je vous présente le Elenator. Ok. Vous voyez bien. Elle est grave gênée, c'est pas quoi dire. C'est ça, elle est très dangereuse, il faut faire attention. Elle s'est brûlée au deuxième degré. Sérieux? T'as fait ça comment? Dans le sommeil. Putain! Les gars, on est en direct en train de découvrir les DM que reçoivent les meufs, franchement, c'est abusé. Tu peux nous décrire, s'il te plaît? Greeting, gorgeous. I'm James. I was browsing randomly on here when I saw your profile pic. I could not go through without leaving a message because you are very beautiful. Do you need a sugar daddy? Who's gonna help you financially? Help you pay your bills? Tu payes ton loyer. Il te paye ton loyer, réponds-lui. And also, et là c'est la meilleure, give you a weekly allowance for sum of 500,000. Oh là. $500,000. Bonjour Ornella. Salut. Alors, explique-nous pourquoi déjà tu mets tes chaussettes sur la table en fait. Mais c'est pas mes chaussettes. T'as vu la taille des chaussettes? Non, la mais ce sera coupé. Ce sera coupé. Fuck, Julien. Du coup, c'est vraiment incroyable de faire ça quand même. T'es vraiment sale. Okay. Pourquoi tu viens pas à la plage? Fatiguée? D'abord parce que je suis très fatiguée et je me suis mise au travail là. Aïe aïe aïe, montage! Les gars, il y a deux minutes et ça va même pas monter, ça va même pas comment couper une vidéo. Et j'ai appris et j'apprends. Et maintenant, c'est l'heure de bosser. Okay. Ce vlog attend depuis bien trop longtemps à mon goût. On est regard, le 4 août. Les Ardentes, c'était quand? Et dedans, attends. Au 9 juillet. C'est vrai que ça date quand même. Et j'ai retrouvé des vidéos dingueries. Dinguerie. Explique-nous. Franchement, je peux même pas dire parce qu'il y a des vidéos carrément, c'est tellement des dingueries, je pourrais même pas les mettre dans. Teaser en fait. Je pourrais même pas les mettre dans le vlog. Okay. Mais je vais faire un teaser, un truc en mode. Mais est-ce que t'es drôle? Est-ce qu'on devrait aller voir le vlog? Bah écoutez, quand il sera monté entièrement, je vous dirai s'il faut aller voir ou pas. Ok, bah écoutez. On va rester à l'affût. Et Claire, justement, on parlait de où on était hier. On a parlé de la boîte où on était hier, Claire. Il y en a ici, ils sont pas rentrés tout seuls. Adil. Tu vois, ça c'est son réflexe. Quoi? Non mais faut expliquer. Ça c'est vraiment un réflexe de personne qui a des choses à se reprocher. C'est directement pointer du doigt quelqu'un d'autre. Oh, alors que je sais très bien que c'est toi. Ah bon? Qui est pas rentré toute seule hier. Oh, t'es un beau parleur. Tu veux raconter quand t'as galoché quelqu'un devant le Moon Beach? Coupé. On est en Espagne. En France on mange que McDo et eux qu'est-ce qu'ils font McDo? Il y en a marre. C'est vraiment honteux. Oui, d'aller manger des patatas fritas. Des patatas fritas, des paellas, découvrir les nouvelles cultures. Non, eux ils vont au McDo. Donc du coup, on est venus de suivre. Les gars, c'est la fin du séjour. Les problèmes. Donc, Sacha et Elena qui quittent l'aventure. La maison des secrets. Malheureusement, le vote du public n'a pas suffi. Les aventuriers sont contraints de quitter l'aventure. Tout de suite. Immédiatement. Vous prenez la porte. Et vous dégagez, bon, déjà. Et vous dégagez. Go fast. Tu n'en reviens plus. Et tu fais pas de pause. Et tu conduis 16 heures sans t'arrêter. À 200 km/h. Avec des roues voilées. On est venu vraiment pour Ornella qui... Du coup, est très jeune. Merde, ça fait... Voilà. Ornella, t'es contente d'être ici? Oui. Voilà, ma fille. Va t'amuser. Super live, bah, elle est bien la petite forêt. C'est toi qui voulais, non? C'est ça que tu voulais, non? Éclaté. Pas celle-là. Éclaté. Pile poil pour leur âge. Pile poil pour leur âge. Et leur taille. Et leur taille. Je pense que c'est trompé de fête forêt de mes refs. Hein. T'es contente? Oui, il y a la personne qui a eu cette idée. De rien. Les gars, cinquième et avant-dernier jour ici de cette maison. C'est bientôt la fin du calvaire. Bientôt je ne serai plus obligé de supporter ces gens. Que dire, que dire. Les gars, elle s'est fait un tatouage.
Elle s'est fait un tatouage parce à que. Cause du canal. Parce que le canal l'a demandé. Si vous n'êtes pas dans le canal, allez sur Instagram. Regardez. Et maintenant, faut être dans le canal. Oh, le marketing, on adore! Pour rejoindre le canal, les gars, ça se trouve en description. Vous cliquez sur mon Instagram, vous abonnez, vous rejoignez mon canal. Et voilà, il y a plein de défis là-bas. Ça fait 5 jours, elle fait son vlog. Mais c'était frère, moi, le vlog que je suis en train de faire actuellement, là au moment où je parle, sortira avant ce vlog-là. C'est une dinguerie quand même. C'est vrai, c'est sûrement vrai. Alors, tu me montres un peu le vlog? Bah, je rigole, on s'en bat les couilles! Allez! À la une, à la deux, et à la trois. Wesh. Oh putain. Oh le saut qu'elle a fait, Miskin. T'avais des lunettes? Hein? Elles sont tes lunettes? J'avais mes lunettes. Bien fait. Non, j'avais mes lunettes. Les lunettes sont sauvées. Ils sont dans l'eau. Non mais t'es tombé vers là ici. Oui je sais mais attends je me relève. J'ai pas mes lunettes, je vois pas. Bah alors, qu'est-ce qui t'a pris de me balancer de l'eau? Je t'ai dit. Je sais. Bonjour Adil. Bonjour. Où étais-tu? Bonne question. Ah là, c'est un très vélu qui en plus tu m'as dit pas de réponse. Okay. Le tatouage. Ça va quoi? Ça va et toi? Bah tranquille. Mais je te jure je vois pas mes lunettes. Ah si, là je les vois. Ouais. T'es où toi? J'étais là. Non, mais, pour faire une bonne sieste. Étant donné que j'ai pas beaucoup dormi. Bah j'étais là des 7 heures. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai supprimé ton montage, on va faire exprès. C'est faux. Viens voir. Arrête, je rigole pas avec toi. Viens voir. Je peux pas. Mais prends une serviette là-bas. Oh putain, je suis désolé. Non, mais c'est pas vrai. Pas comment? Je te jure, je sais pas. Arrête. Fais CTRL Z. Ah, t'as eu peur, hein? Mais j'ai pas eu peur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et alors, aujourd'hui, jet ski, ça va très bien se passer, j'ai jamais fait la licorne. Du coup, let's go, on va aller voir aussi ton niveau. Enfin, toi, tu parles beaucoup, toi. Oui. Tu parles beaucoup, on a fait au Sénégal, etc. Beaucoup, mais au Sénégal, on n'a pas fait de course. Ah. Là, on va vraiment avoir chacun son jet ski. Ah. Le niveau d'Adil aussi, parce qu'au Sénégal, on rappelle qu'il est tombé dès le début. On se remet coulée. Un flashback. Regardez. Il a coulé le jet ski. On n'a pas de preuve. On n'a pas filmé, malheureusement. Zéro preuve. Tu ne sauras jamais. Mais sachez qu'il a fait une gamelle et qu'après, ils ont dit toi, t'arrêtes là. Oh, scratch. J'ai bronzé de ouf. Moi j'ai plus bronzé, ouais. C'est vrai. Alors Adil, t'es fort au volet? Là, dites-vous, on va affronter le vainqueur de ce match là. Ça joue grave bien. On va se faire laver. Des pros apparemment, pro en volleyball donc. Elle a plus de batterie. Comment tu vas vlogger en fait pour ta communauté? C'est pas pro ça. T'es une mauvaise crève. Et tu filmes avec quoi toi? Un iPhone toujours? Bah, voilà. C'est la coutume de la chaîne de façon. Ok, mais moi mon. Cette chaîne est une chaîne à l'iPhone. Il est en 720p. Et mon iPhone il est en 4K. Donc je vais même améliorer c'est la ballot, qualité. C'est ballot, hein. Et j'ai un écran en. Ah, tu vas filmer en 4K du coup? Bah avec mon iPhone, oui. Ok. Donc là, du coup, c'est quoi le plan là? C'est on soit va, on part dans. Là, regardez. Là, c'est soit là, on va dans une plage. Ferme un peu, hein. Non! La ferme pas! Regardez, c'est soit on va dans une plage touristique. Ou soit une plage découverte, une plage du futur, aventure, par pitié. Il va nous faire marcher dans les montagnes. Voilà, moi je suis chaud pour l'aventure. Voilà, l'aventure, la guerre. Il reste un jour, c'est là-bas. Franchement, si tu trouves une sirène, c'est là-bas. Pourquoi pas? Where's my freaking phone? C'est pas. Chance, crèche. Time.
Flashbang.